le chat de David Cali et Magali Clavelet. C'est le chat. Cette nuit, Jojo a été tué. Que personne ne bouge. Il va falloir enquêter. Pas nécessaire. On connaît déjà le coupable. Oui, c'est le chat. Tiens, tiens. Et comment êtes-vous sûr que c'est le chat? Tout le monde le sait. Les chats mangent les souris. Et moi, hier soir, j'ai vu une ombre qui s'échappait. C'était forcément le chat. Oui, c'est sûr. Et moi, j'ai même entendu miauler. C'était comme un grincement terrifiant. En plus, l'assassin a laissé une trace indiscutable, l'empreinte de ses griffes sur le mur. Bravo! Bien parlé! Le chat en prison! Le chat en prison! Pas si vite, j'ai un doute. Vous d'abord, vous portez de grosses lunettes. Et il faisait sombre hier soir. Êtes-vous certain que c'était l'ombre du chat? Et vous, l'avez-vous vraiment entendu miauler? Il y avait un terrible orage pourtant. Mais Mike, les traces de griffes, ça c'est une preuve. Vous avez raison, les traces de griffes sont bien là sur le mur. Mais êtes-vous sûr qu'elles n'étaient pas là auparavant? Et ce grincement, est-ce vraiment un miaulement? Et cette ombre, n'était-ce pas celle d'un autre animal? Vous dites aussi que les chats mangent les souris. Mais alors? Pourquoi notre ami Jojo n'a-t-il pas été dévoré? Parce que les chats tuent souvent les souris juste pour s'amuser. Jojo n'a pourtant pas l'air d'avoir bougé. Peut-être que le chat n'a joué qu'un tout petit peu avec lui. Ou peut-être pas. Tant qu'il y a un doute, pas de doute. Il faut poursuivre l'enquête. Mais alors, Mike, comment Jojo est-il mort? Tout est possible. Il a glissé et s'est cogné la tête. Il a mangé du fromage empoisonné. Il a été foudroyé pendant l'orage. Mike! Et si le chat était vraiment coupable? C'est possible. Mais comme je le dis souvent, il faut en être sûr et toujours se poser des questions.
Au même instant, Jojo, la souris qui semblait morte tout à l'heure, se réveille d'un coup. Hourra ! Jojo n'est pas mort ! Non, en effet. On a oublié de se poser la question la plus importante. Voilà, tout est résolu. Hé, les gars ! Tout notre fromage a disparu ! Que personne ne bouge, il va falloir enquêter. Cette fois, c'est sûr, c'est le chat. Première question. Qui aime le fromage ? Alors ? C'est toi qui as mangé la souris ? T'es sûr ?